Hey, c'est les bonnes de chacun, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Du coup, ça va être sur visage comme ça fait longtemps que j'en parle. Donc voilà, donc la dernière fois j'ai voulu tester, sauf que le jeu n'était pas en français, enfin il a été, mais ça a bugué, du coup j'ai dû le retélécharger. Bref, donc là on va commencer. Ouais, je vais décaler vite fait la caméra. Alors. J'espère que la vidéo sera bonne. Pleurs étouffés, ok. Donc je précise avant que j'ai préféré laisser du coup les sous-titres. Parce que je pense qu'il y aura encore des textes en anglais, je pense. Je suis presque sûr. Comme notamment au début, on aura un appel téléphonique. Oui, est-ce que je peux? Nickel, bon. Donc là on a au début on aperçoit du coup une personne avec ouais. Celui qui a le flingue avec une femme, donc je pense que c'est sa femme. Et juste après vous allez apercevoir du coup deux enfants. Par contre j'ai pas fait attention à combien de balles il a mise. La mère, le fils qui paraît adolescent. Commence déjà mal pour elle. L'ado. La gamine. Le lieu est là où est-ce que le lieu du suicide, ça a l'air d'être une sorte de cave ou je sais pas quoi. Enfin, selon moi, après je sais pas, j'ai pas découvert. J'essaie de découvrir ça avec vous. Alors, plein de sang partout. La pièce est étrange, pleine de cœurs d'œufs partout. Plus des griffures un peu par terre. C'est parti. Bon. Je précise aussi que j'ai mis du coup le son du jeu assez fort pour du coup me plonger bien dans l'ambiance en fait. Parce que sinon c'est pas drôle. Ok, je m'attendais déjà plus. Hello Dwayne, it's Rose. Bonjour Dwayne, c'est Rose votre voisine. I know it's late and I know that I Je sais qu'il est tard et j'ai tendance à être anxieuse pour pas grand chose. I apologize for Je that. m'en excuse, I'm getting a mais je bit m'inquiète un worried. peu. I haven't seen you out of the house Je ne vous ai in pas vu about sortir three de la weeks. maison depuis environ 3 Is semaines. everything all right? Est-ce que Could tout you va bien? call me just to let me know Pourriez-vous simplement everything's m'appeler pour faire fine? savoir que tout va bien? Bon, au All revoir. right. Ok. Bye bye. Pas sûr que tout aille bien. Bon, téléphone, comment je fais pour... Ok. Alors, pour commencer, j'ai vu une pièce du coup sur le côté là. Donc je crois, ouais, c'était ça, l'espèce de petite chapelle ou je sais pas quoi. Alors, celle de progression. Alors, c'est de ça à côté les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons. Donc à la fin d'un chapitre, une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans cette salle de progression. Ok, pas de soucis. Mais du coup, est-ce que... Il y aura plusieurs niveaux, du coup, ça veut dire. Plusieurs niveaux et du coup, plusieurs facettes au final. Enfin, selon moi, c'est ce que je comprends personnellement. Alors, interagir, ça semble à... ça ressemble à un genre de présentoir. Il y a rien dessus. Ouais, j'ai remarqué. Jésus. Ouais, banal.
Alors, une poupée russe ou je sais pas quoi, on dirait ça. Ok, ça fait déjà un objet récolté. Alors, petite précision, donc là, on a les objets dynamiques et les objets clés, donc. Objets clés, bon, mais ça veut tout dire. Les objets importants, on va dire, et les objets dynamiques, en gros, c'est les objets qu'on pourra du coup utiliser tout au long de la game. Donc ok, donc dans ce truc là en fait on peut placer les bougies. Ok, pas de soucis. Appliquer. Ok. Il n'y a pas de grande différence mais je vais laisser comme tel. Sinon, la dernière fois j'ai découvert que je peux jouer avec souris et manette, je pense que c'est ce que je vais faire pour tourner. Alors, ah oui, la santé mentale, donc en gros, sur l'écran, dès qu'il y a en fait, il y a le cerveau, du coup le... Ok. En gros, dès qu'il commence à apparaître, en fait, c'est que l'état mental en fait, du personnage commence à partir en testicule, on va dire. Et en gros, dans le jeu, en fait, on va découvrir en fait, des petits bocaux de... Bon, je veux dire ça, des anxiolytiques. En gros, ça va être des boîtiers jaunes, enfin des bocaux jaunes en fait avec des petites pilules. Et en gros, on devra les, en gros, décomprimer et en fait, on devra les utiliser pour aller mieux quoi en fait, au final. Alors du coup, alors les événements paranormaux, du coup c'est pareil, eux ils affectent principalement justement l'état mental du personnage. Du coup là, je sais pas. Non, si si. Donc là si vous regardez bien du coup, est-ce que je peux mettre pause? Ouais. En fait là, vous voyez du coup l'apparence du coup, on va dire une tache de sang rouge. Enfin, ouais. Une tache de sang du coup qui apparaît. Donc ici en fait vous allez voir du coup le logo. Donc attendez, reprendre. Voilà, donc là. Le cerveau commence à apparaître peu à peu, donc là, si vous regardez bien. Enfin, voilà quoi. J'ai tout oublié de. Parce que ça fait déjà un moment que j'ai laissé le jeu en fait. Je peux pas couper? Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Alors, nickel. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another ouais, bon, note, ça on s'en doute un today petit we've peu. Got a special guest with us, Ça and we're c'est gonna vraiment un have a élément, lot of fun with him. His on va name dire, is important au jeu. Donc, ça nous permet du coup de réparer les ampoules pétées. Et je sais plus comment on fait pour. Nickel. Fallait maintenir RB. Alors, du coup, d'après ce que j'ai retenu, ici en fait il va se passer pas mal de choses, donc, notamment par rapport à la radio. Ok. Bon, j'entends des booms au-dessus. Je vais aller voir ce que ça donne, même si j'ai pas vraiment envie de découvrir pour le moment. J'ai cru voir quelque chose, je sais pas. Enfin, bref. Ok, pas de soucis. Alors, je vais pas y aller maintenant, puisqu'on n'a pas de visibilité. Alors. Ah d'accord ok. Donc en fait genre avec les tiroirs en fait j'ai juste appuyé sur en gros RT puisque je joue à la manette pour en gros que... Attendez je vais vous montrer un petit exemple. Je suis pas bien. C'est moi ou ça vient de s'allumer? Ça me rend un instant le petit truc là. Enfin voilà. Bon, alors du coup. Alors, regardez. Je vais pas prendre mon temps. Donc là, le petit zippo. C'est vraiment le détail que je me rappelle. Le seul. Enfin, l'un des seuls du moins. Alors, ok. Je sais plus comment on fait pour l'utiliser. Ce qui est assez dommage pour le coup.
Pas de soucis. C'est quoi je pouvais faire? Ah. Non, non, non. T'éteins pas. Alors. Ok, ok. Merde, monsieur. Wow. Alors, du coup, là. Donc, voilà, c'est pareil. Là, du coup, on peut apercevoir du coup le logo de la clé. Donc, là, je pense. Enfin, il me semble. C'est pas que je pense, et il me semble que c'est un élément clé. Alors, chapitre de Lucie, un ami insidieux. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, du coup, là. Voilà, donc là dans objet clé du coup, premier élément c'est la page du panda. Ok. Je suis où? Ok. Ah bah. Petit. J'admets que même si on sait que c'est qu'un jeu vidéo, ça reste angoissant. J'ai oublié que c'était le placard ici. Alors du coup ici, il y a un petit détail qui est assez intéressant. Enfin, qui est assez... J'ai jamais vu toi. Mais bon, on reste là, bouge pas surtout. Alors du coup ici, petit détail. Donc là, je vais m'enfermer pour me mettre un peu plus dans l'ambiance. Bon. Je me suis déjà mis un petit peu dans chez moi, bref. Alors, écoutez bien surtout. Donc en fait, sur les matchs, si vous voyez bien, donc il y a deux toc, enfin deux toc toc en gros. Ouais. Et de l'autre côté, du coup, on peut voir du coup bah la une femme en gros. En gros, ce truc là, le, enfin voilà, en gros voilà. Écoutez bien. Voilà ça. Et voilà, c'était le dernier détail que je me rappelais. La suite, je me rappelle pas. Bon, là-bas. Bon, j'avoue que c'est vachement stressant en vrai. D'ailleurs, pour ceux qui aiment jouer, enfin qui aiment avoir peur, je leur conseille du coup de jouer à ce jeu-là. Donc moi, personnellement, j'ai pris le crack parce que... Voilà, bref. Moi, j'ai pris du coup le crack parce que j'avais pas envie de le payer. Alors, voilà, faut... Comme beaucoup de personnes, de toute façon, n'aiment pas payer ces jeux, enfin, préfèrent avoir le crack surtout sur PC. Du coup, ce que je recommande aux personnes qui aiment avoir peur de jouer au jeu en étant dans une pièce complètement enfermée dans le noir, avec le son bien fort, on va voir ce qui se passe. On va voir si vous avez peur, enfin, pour ceux en tout cas qui aiment jouer dans la peur, quoi. Sinon, c'est pas. C'est inutile, quoi. Moi perso j'aimerais, enfin j'aime bien mais bon, c'est ce que, quoique là il y a toujours la lumière donc je peux pas y faire grand chose en fait au final. Alors du coup, t'étais pas là toi tout à l'heure? Oh? Attends, c'est pas là où il y avait... Ouais, c'est... Donc en gros tout à l'heure, en fait genre j'avais vu l'espèce de reflet du coup, bah, ça change pas mon truc, toi, du coup, indiqué, bah, voilà, ici là, donc en gros cette partie là. En dessous de la lampe. Depuis quoi c'est ouvert ici? Alors du coup. Ok. Je reconnais, je suis normal là. Enfin, voilà. Il nous a mis un petit film. Ah, sauvegarde. Ok, pas de soucis.
puis moi, comme un con, en fait, dehors, je fais comme ça pour voir plus haut. Ouais, normal, logique. Bon. C'est quoi ce film-là, en fait? Il a l'air bien nul. Wesh! Attends, je n'ai pas visité cette pièce. Donc au pire, je prends tous les éléments du coup de la pièce en compte. Donc détail par détail. Alors deux cadres. Donc attendez. Alors, je sais pas comment. Ah parce qu'en plus, ça peut même pas s'éteindre. Ok, tant mieux. Alors du coup, un cadre, un autre cadre. Ça. Je sais pas. On dirait le dessus d'une lampe de chevet. Enfin, ça en a l'air en tout cas. Avec une couleur de bois. Donc là, on dirait un truc de bois avec ici un œil. Mais bon, souvent les trucs, les planchers, tout ça, ils ont un petit truc bizarre. Il se passe quoi là? Pourquoi mon joystick il a bugué? Ok, j'ai flippé. Du coup là, on a la femme. Enfin, ça en a l'air en tout cas. Ici, il y a un truc musical, donc. Enfin voilà les trucs musicaux anciens quoi. Alors, reste plus qu'à trouver où est-ce que c'était. Tu pourras presque faire peur toi. Hein. Vide. Objet. Ah, des clés. J'en ai juste calé que c'était ça en fait. De base, moi je me suis basé que sur. Enfin voilà. Sur en gros le logo Cément. Si c'est. Basement ou je sais pas quoi. Ok. Vous avez trouvé une étiquette, enfin une clé étiquette sous-sol. Ok. Ok. Pas de souci. Alors ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, c'est décaché ça? Wow. Je sais pas s'il y a du dépressif par ici. Hey. Je viens de me rappeler que logiquement au-dessus, à l'étage du coup, il y a des cachets. Ah bah, nickel. Du coup voilà la boîte que je parlais. Donc voilà, c'est jaune comme je l'ai dit. Ok. Du coup là, une petite boîte jaune. Par contre, je sais plus comment on l'utilise. Je sais juste que la touche Y du coup sert en fait à déplacer l'objet de la main droite à la main gauche ou inversion. Donc voilà. Ah, je sais plus par contre comment on fait pour le ranger. Ouais, je découvrirai ça plus tard. Alors, clé du sous. Bah nickel, tiens. Alors. Ou quoi? Bon, il y a aussi le petit détail du coup, bah des chiens qui sont derrière moi, dont la chienne qui rêve du coup, bah fait des petits bruits qui vont me faire paniquer aussi. Ok, alors ici on a quoi? Des cadres? J'ai pas eu peur. Ah non, mais sérieux. Alors ici, y a un briquet? J'ai un peu utilisé le premier. Attends, mais au final. Enfin, fille. Bref. Mais attends, mais y a pas des bougies au fait dans l'aéroport quoi. Mais j'ai déjà la clé. Ah, d'accord, putain, je viens de comprendre. Oh merde. Wesh, mais. Mon écran m'a fait flipper de ouf là. Alors, du coup, là. J'ai accès à une autre zone de. Reste ouvert. Au top. Alors du coup là j'ai accès à une autre zone de l'appartement. Alors 3h33, donc ça il me semble que c'est un signe, je sais plus c'est quoi. J'ai vu sur internet, enfin j'ai entendu plutôt que c'est un rapport avec la.
la renaissance de Jésus, donc sa résurrection, quoi, en gros. Après, je suis. Enfin. Moi, dans tous ces trucs-là, j'y connais que dalle, donc je m'avancerai pas sur un sujet farfelu, bizarre. Alors, voilà. Ok. Du coup, je pense que ça va rester sur du 3h33. Bah, nickel, c'est exactement ça. Enfin, nickel. Je m'en fous un peu au final, mais bon. Bon, du coup, là, je vais pouvoir en gros passer d'une pièce à l'autre. Tranquillement, tu éteins mes lumières comme ça, toi. Ouais, tranquille. En plus grand des calmes, en plus. Du coup, bon, j'avoue, j'ai encore un petit peu de stress, hein, je vais pas le cacher. De toute façon, je joue à ça pour le stress, de toute façon. Alors. Ah, d'accord. Encore? Oh, ok. Bon, du coup, bah, j'imagine que ces deux pièces-là, du coup, donc celle-ci et celle de l'autre côté, mènent au même endroit, j'imagine, sous-sol. J'ai pas tout été visité au départ. Il me semble que j'ai croisé des portes par-ci par-là. Mais d'ailleurs, de toute façon, ici c'est pareil. What? Fais pas de bêtises, je suis pas ton pote moi. Mais ferme-toi toi. Je crois qu'à la fin c'est moi qui dois prendre les anxiolytiques. Alors du coup toi, redresse-toi. Pourquoi le personnage il a un stress de ouf là? Enfin. En toute honnêteté, moi je stresserais d'être dans une maison comme ça, mais bon, je veux dire, il n'y a pas eu d'événement. Ah, non, ok, non. Ah bah tiens, c'est justement la porte que je pensais, en plus celle-ci. Je voulais justement retourner ici. Du coup, bah là logiquement, il reste encore cette porte-là. Je fais quoi? C'est comment? Ah d'accord, non. Du coup, en gros, faut attendre la sortie complète du jeu en fait. Au final. Et ici, y'a quoi? C'est quoi ça? Alors, regardez pour la clé du garage, c'est probablement dans ton jean. Pocket? Pocket, je sais plus ce que c'est peut-être. Non, c'est pas petit, ça c'est little. Bref. Pocket et peut-être paquet ou je sais pas quoi. Dans la. Dans la chambre des vêtements, je sais pas quoi. Ouais, ok. Je m'en fiche. Clé du garage, ok. Donc là, ça veut dire qu'il nous manque. Bon, j'ai vraiment besoin de ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, on va dire. Je vais essayer. Bon, maintenant, je dois du coup aller dans le sous-sol. J'avoue, là, j'ai du frisson. Wow. C'est vénère. Mais comment ils veulent que j'aille dans ça? Mais sérieux, quoi. Il me faut une bougie. M'en fous. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai pas encore croisé une seule bougie. Hein. On y pense bien. Non, non, non. Tu ne t'éteindras pas, toi. C'est bien. Bien obéissante celle-là. J'ai pas une bougie à proximité ou quoi? Ça te dérange si je t'emprunte tes chaussures? Ah bah. C'est pas vrai, j'ai pas eu peur. Mais. Arrête, tu me fais stress. Pourquoi le personnage s'entête en fait à rester dans la maison sachant qu'il peut sortir dehors?
J'ai pas envie. J'aime bien, moi je sais pas, j'aime bien le décor, l'ambiance, tout ça. Je trouve ça très convivial. J'ai pas la bougie. Y a pas de bougie ici? Non. Y a pas de bougie en fait. En fait, ça me fait rire. Ça parle de bougie et tout ça, mais ça en donne même pas. Panoradin. Bon, c'est tout, hein. On va y aller avec le briquet. Toute façon, en fait, je sais même pas comment s'y prendre pour allumer la bougie. Ah, je suis pas bien là. C'était ici? Le cadre? Le cadre? Le... Oh merde. Oh merde. Bon. J'ai fait ça pour continuer le jeu, oui, c'est vrai. Merci pour un like. Bon, alors, on récapitule avant de rentrer. Alors, sur le côté, on a le truc à musique. Là, à droite, du coup, on a l'espèce de bouteille rouge bizarre, là. Enfin, voilà. Ça. Ça. Ici on a tout le truc bizarre. Et ici, on a la porte. Là où il y avait la femme. Maintenant c'est parti. Pourquoi t'es là toi? Bonheur, ça je vous le dis, c'est le bonheur. Par contre, vraiment, le plus grand, il est là. Je crois que dans cette vidéo, je vais souvent faire des gros yeux. Ok. Bon, prioritairement un cachet, j'en ai vachement besoin. Ensuite, comment je peux faire pour ranger ça? Non, pas ranger. Non, je peux pas ranger. Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment on fait. Au pire des cas. Dernier anxiolytique. Lâcher. Prendre. Ok, ici y a rien. Mais non, mais. C'est quoi cette image? Une tête? C'est moi ou c'est un visage? Je mettrai une pause sur la vidéo comme ça vous pourrez vous voir. Oh putain sa mère! Bon c'est tout les amis, on va s'arrêter. Non je rigole. Oh putain sa mère! Ah ça fait peur! Bon, on porte les bolo-balls. Je pense que je vais devoir prendre le cachet anti machin, anti-stress. Comment je fais par contre? Non, c'est pas ça. Au top! Tu sais quoi? Moi je vais montrer que je suis un bonheur, un vrai. J'y arrive.
Par contre, t'approches pas, s'il te plaît. Hein. Y a pas de doute, hein. C'est une femme. C'est celle, je précise. C'est celle qui a été ici. Mm-hmm. Ça se voit. Elle a les mêmes douilles. Regardez, c'est les douilles toutes grises là, wesh. Je suis pas bien. C'est bon, elle a l'air assez lente pour le coup. C'est quoi t'as lâché par terre? Vas-y, j'y arrive. Je vais prendre ton truc, t'inquiète même pas. Avance pas, hein, par contre, avance pas. Wesh! C'est quoi? Une seringue? Allume-toi. Bon. Ici, il y a la lumière. Je m'en fous, je reste là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais me mettre dans l'ambiance. T'es sérieux, là? Attends, je ne dis pas qu'elle est là, en fait. Elle est ici. Non? C'est bon, ça passe. Je sais quoi faire. Alors, étant donné que là, je stresse, je vais... Moi j'ai mon dernier cachet. Ah merde! Arrête de faire du bruit! Tu me stresses! Sérieux? Ok. Lâchez. Maintenant je. Quoi? Mais. Et mon briquet? Ah! Mon briquet! Je suis refait, c'est bon. Et bon, au pire des cas, ce que je vais faire, c'est utiliser mon petit zippo. Et remonter. Remonte, s'il te plaît. Ouvre cette putain de porte! Pourquoi le bruit il est vachement proche de moi? Oh j'ai stress! Enfin. Je profite de cette petite pause. Oh le coup de stress! La vie de moi, tu vas devoir te calmer. Arrêtez, oui, je dors tout à passer. Bon, mais c'était pas obligatoire qu'elle me tue. Charger dans la sauvegarde automatique. Bon. Au pire, si jamais je remets, je couperai pour mettre fin à la vidéo et du coup, réessayer du coup un prochain gameplay une prochaine fois. En essayant d'aller plus loin, je pense. Ouais. Bon. Je suis où là? Alors donc là je suis de nouveau là, je vais tenter de viser du coup cet endroit là. Je vais partir dans le cœur. Allez cours! Cours sans mon fils de pute!
Waouh! Intense! Par contre, j'aurais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, c'est tout au pire. Je découvrirai ça. Enfin, je découvrirai ça dans la prochaine vidéo, du coup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à liker pour le courage. N'hésitez pas à commenter aussi. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et du coup, ben, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, du coup, sur les jeux d'horreur comme celui-ci, et ben, n'hésitez du coup pas à marquer dans les commentaires, à vous. Enfin, vous connaissez les bails de toute façon, non. Du coup, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye, ciao ciao. I got broads in Atlanta, just to go lean the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the band. Legacy.